Fidèles internautes, bonsoir et bienvenue à tous dans ce 20h sur Gabon News. Au sommaire ce soir, cette montée au créneau de l'Union du peuple gabonais par la voix de son secrétaire général Bruno Ben Moubomba face au climat social actuel du pays. Ce parti politique de l'opposition gabonaise interpelle et invite le chef de l'État à réagir d'urgence pour que vive toujours la paix sociale au Gabon. Mais avant, à Milan, un quartier de Libreville, les fils électriques et tuyaux d'eau sont anarchiquement installés. Là-bas, les habitants sont exposés à de graves dangers. Les plaintes sont donc légion, vu qu'aucune autorité ne daigne prendre le problème à bras le corps. C'est en tout cas ce que nous rapportent Martial Tsonga et Refu Tsoga. Cap de courant par ici, tuyaux d'eau par là, tous anarchiquement installés. C'est le triste constat que font les habitants du quartier Milan. Je veux dire que nous courons un risque, parce que quand je dis nous, parce que je fais partie, je suis du quartier, nous courons un risque. Et tous les jours, nous dormons parfois dans l'obscurité parce qu'il faut prendre le courant très loin et parfois il arrive des situations où parfois le câble se coupe à mi-chemin et nous ne connaissons pas à quel niveau le câble se coupe. Et quand il fait nuit, donc nous sommes obligés de dormir dans le noir. Et tout le temps, c'est des coupures intempestives. Et nous, je vais vous dire que même les poteaux électriques que vous voyez là, c'est un particulier qui a fait rentrer ces poteaux électriques. Et pour se connecter, le particulier demande à ce qu'on déverse d'abord 300 000 de caution avant de se connecter. Ici coule de l'eau dont a besoin plusieurs foyers privés de ce précieux liquide. Toute chose que déplore cet habitant du quartier. C'est très compliqué, c'est très difficile. Vraiment, nous vivons un calvaire dans ce quartier. Que ce soit de l'eau, que ce soit de l'électricité, vraiment, c'est un calvaire. Nous prenons de l'eau loin, les compteurs d'eau sont très loin et il faut transporter cette eau dans des tuyaux que vous voyez vous-même qui se percent tout le temps. Et ce qui fait que les gens ont des énormes factures d'électricité et d'eau chaque mois et que ça nous cause de sérieux problèmes parce que avec les moyens que nous avons et qui ne sont pas très conséquents, vraiment on n'arrive pas à joindre debout. Les habitants du quartier Milan attendent beaucoup des autorités gouvernementales pour le développement de cette partie de la capitale gabonaise. Ici, l'espoir est encore permis. Toujours dans ce quartier du 5e arrondissement de Libreville qui connaît plusieurs difficultés, les habitants sont aussi confrontés aux problèmes d'eau potable, d'électricité et même des voies d'accès. Leur réaction dans ce reportage de Marcel Tsonga sur les images de Refu Tsoga. La route, encore la route, un casse-tête pour les habitants du quartier Milan. Difficile d'accès en saison des pluies, automobilistes et piétons expriment leur mécontentement pour l'état de la voie qui mène à leurs habitations. Comme vous voyez la situation, on subit cela depuis au moins 5 à 6 ans. Et la mairie est venue, bon, ils ont fait quoi? Ils ont juste venu faire, comment on appelle ça, comment? Bon, en tout cas, ils sont venus faire, ils ont mis le goudron cassé que vous voyez ici. Voilà, en tout cas, il y a les grands types même qui restent à l'intérieur, mais je ne sais pas si l'État peut nous voir, quoi. Parce qu'il y a un député, il y a un sénateur à l'intérieur. Je me demande comment ils passent ici, là, tous les jours, ils ne voient pas ça. Ça me dérange vraiment. Comme je suis du quartier, bon. Nous, on a essayé de mettre les cailloux, mais en tout cas, les tuyaux d'eau, l'électricité, les fils de courant, tout cela, ça tient même la terre ici, là, partout, je ne sais pas. Que faut-il faire? Sont-ils en droit de s'interroger? Entre espoir et déception, le choix est fait. J'habite ici, l'état des rues, c'est comme vous voyez là, c'est depuis, c'est comme ça. Mais on mérite que ça s'arrange quand même. Puisque le pays, pour les gens qui parlent de l'émergence, ce n'est pas comme ça. Donc on mérite que ça s'arrange quand même. On a des ministres, on a des grandes personnes qui habitent là avec nous. C'est pas bon, tous les soirs, tous les matins, tu sors comme ça, c'est gênant. Tu arrives au travail même, regardez comment vous êtes descendu là. Donc avant de remonter, vous êtes obligé encore d'aller peut-être laver votre chaussure, tout ça, c'est tous les jours, c'est comme ça. Ils attendent, ces habitants de Milan, que le développement tant attendu vienne frapper à la porte de leur quartier.
Et on s'intéresse maintenant à la page politique de cette édition d'information. On le disait en titre, l'Union du peuple gabonais invite le chef de l'État à prendre certaines mesures dans l'urgence pour sauver la situation sociale actuelle du Gabon. C'est au cours d'un point de presse que son secrétaire général, Bruno Ben Moubomba, s'est exprimé sur la question en proposant bien sûr des pistes de solutions pour la sortie de crise. Compte rendu de Kenyongori sur les images de Refi Tsoga. Des secteurs entiers sont paralysés dans notre pays par des grèves préoccupantes et celles qui touchent le secteur de l'éducation est d'autant plus préoccupante qu'elle pourrait conduire à une année blanche. L'Union du peuple gabonais propose trois dynamiques pour sortir de l'impasse comme l'aurait fait le fondateur de l'UPG, le très regretté président Pierre Mangoudou. Premièrement, le président de la République et chef de l'État devrait parler solennellement au peuple gabonais et lui dire « Je vous ai compris, j'ai compris vos souffrances, j'ai compris vos problèmes sociaux. » Deuxièmement, le président de la République et chef de l'État devrait dissoudre le gouvernement actuel au nom de la paix civile et de la cohésion nationale. Troisièmement, les partenaires sociaux doivent faire preuve de responsabilité en la circonstance. Le blocage du pays et le pourrissement fragilise les générations futures. Il faudra affronter cette crise sociale posée par les partenaires sociaux et la surmonter ensemble et non les uns contre les autres. Le ministre gabonais des droits humains vient de lancer un appel à la trêve et à la responsabilité de tous dans une déclaration sur le dialogue social. Objectif, ramener le climat actuel du pays à la normale. Propos recueillis par Kenny Ongori sur les images de Refi Tsoga. Mesdames et messieurs les responsables de l'administration générale, mesdames et messieurs les responsables du patronat, mesdames et messieurs les responsables syndicaux, mesdames et messieurs chers compatriotes, devant la recrudescence d'attitudes publiques nocives et face aux risques encourus sur la paix sociale, il me plaît, en ma qualité de ministre en charge des questions de paix, de m'adresser aux uns et aux autres au fin d'une prise de conscience républicaine et patriotique de tous. Suivant leurs fins spécifiques au service du bien commun, les organisations syndicales contribuent à la construction de l'ordre social et de la solidarité et représentent donc un élément indispensable de la vie sociale. Les syndicats sont à proprement parler des promoteurs de la lutte pour la justice sociale. Cette lutte doit être comprise comme un engagement normal en vue de juste bien, mais elle n'est pas une lutte contre les autres. La grève est légitime quand elle se présente comme un recours inévitable, sinon nécessaire, en vue d'un bénéfice proportionné, après que toutes les autres modalités de dépassement du conflit se soient révélées inefficaces. La grève, pour autant qu'elle apparaisse comme une sorte d'ultimatum, doit toujours être une méthode pacifique de revendication et de lutte pour ses droits. Elle devient moralement inacceptable lorsqu'elle s'accompagne de violences ou encore si on lui assigne des objectifs non directement liés aux conditions de travail ou aux biens communs. Après la politique, le sport. Après 800 km parcourus, c'est finalement le Tunisien Raphaël Chitsui qui a remporté la 10e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Il conserve donc le maillot jaune et a reçu des mains du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba le trophée de champion de cette édition. C'était en tout cas le week-end dernier à Libreville. Suivez ce reportage de Justin Bitegui. <t'->
C'est dans la commune d'Akanda que la dernière étape de la 10e édition de la Tropicale Amissa Bongo a été lancée en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Après de nombreuses attaques en tête du peloton de la part des Marocains, c'est à 5 km de l'arrivée que l'équipe de SCA Dubaï prend le dessus jusqu'à obtenir le titre de champion de cette édition 2015. Satisfait, mon équipe aussi très contente. On a gagné le Tour du Gabon. Très content de gagner le Tour du Gabon. Mon équipe il a roulé aujourd'hui à bloc pour moi, comme d'habitude, et je les remercie beaucoup. Sans eux, vraiment, je dis la vérité, je ne gagnerai pas ce tour. Peut-être que ce sera beaucoup plus difficile de gagner le tour. Grâce à eux, premièrement, grâce à Dieu qu'on a gagné. Une 10e édition qui reste pour les Gabonais un cauchemar. Je suis très découragé. Bon, j'étais très découragé à cause de l'abandon de la chute qui a causé l'abandon de mes collègues. Donc j'ai senti à un moment donné on était deux à terminer à la dernière étape, mais après j'ai vu mon coéquipier décrocher, j'ai senti toute la pression sur moi et j'étais obligé de forcer. Donc malgré la coupure qui s'est passée dans le peloton, j'ai mis tous mes efforts pour recoller, pour rattraper le groupe, et grâce à Dieu on a terminé dans le peloton. La remise des récompenses a mis fin à cette 10e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Le rendez-vous est pris pour la 11e édition en 2016. Voilà, c'est sur ces belles images que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité. L'information se poursuit bien sûr sur www.gabonews.com. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.